Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 12e épisode de Pokémon Ultra Lune, soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Et on vous retrouve, on s'est quitté la dernière fois, c'est-à-dire à l'entrée de la plaine des Pikachu, un endroit énigmatique dans la mesure où, je sais pas, mais moi j'en ai pas entendu parler de ce machin. Donc, on va explorationner le truc pour voir de quoi ça s'agit, et après, on ira là où Motisma nous l'indique, parce qu'il faut qu'on progresse à un moment donné. L'équipe. Un rapide rappel de qui nous accompagne. Nous avons toujours Gérard, notre Tadmor d'Alola niveau 19 avec morsure, crochet venin, gaz toxique et entrave. Sif, notre Rocabo événement niveau 19 avec morsure, croix éclair, gépierre et grondement. Et enfin Lorelai, notre Tarlette niveau 20 avec pistolet à eau, vengeuse, vent glacé et encore. Allez, c'est parti. Voyons un petit peu de quoi il en retourne à la plaine des Pikachu. Déjà, il y a plein de Pikachu, ça me paraît logique. D'accord. Salut. Pikapi. Les Pikachu te souhaitent la bienvenue à la plaine des Pikachu. Comment je le sais? Parce que je parle couramment le Pikachu, bien sûr. Pour fêter ta première venue, accepte ce petit cadeau aux couleurs de la région. L'autocollant Pikachu. Ouais! Utilise-le pour décorer les photos de ton album et leur donner une super Pika ambiance. Alors voyons un petit peu ce qu'il y a par ici. Salut. Ok, on peut jouer avec les Pikachu. Non, je vais peut-être pas jouer avec tous les Pikachu. Je vais jouer avec celui-là. On peut prendre des photos. Ah, où ça? Ici. On va tester, hein. On va prendre des Pikachu en photo. Ah bah oui, je peux toujours pas zoomer, ma bonne dame. Du coup, je peux pas faire des trucs folichons. Ouais. Ouais, j'ai fini. Salut toi. Tu veux pas me regarder. Ce Pikachu a toujours l'air un peu blasé. À savoir pourquoi il ne serait qu'un Pikachu qui porte une casquette. D'accord. Et tu m'en donnes un? Bah ouais, je deviens un expert en Pikachu, vas-y. Super. Alors, très bien. Question numéro 1. Quelle partie du corps des Pikachu diffère entre les mâles et les femelles? La queue. Comme pour reconnaître un Pikachu femelle, le bout de sa queue est en forme de cœur. Sinon, c'est en forme d'éclair tout droit. Enfin, tout droit comme ça. Sinon, c'est un cœur. La question, qu'est-ce que les Pikachu ont sur les joues? Des poches électriques. Des brioches électriques. De quoi a besoin d'un Pikachu pour évoluer en Raichu? Une pierre foudre. Comment c'est le Pikachu chromatique par rapport à ceux de leur couleur normale? Bonne question. Plus foncé, je crois. Cinquième et dernière question. Pikachu, évolution de Pichu, mais qui est la personne à avoir découvert? C'est le professeur Orm, je crois. Yeah! 5 sur 5, les bitches! J'ai gagné un t-shirt et une casquette Pikachu, comment c'est trop la classe! Je peux retenter le quiz quand je veux, ok! Je peux rentrer là-dedans? Ah bah voilà! Ça c'était une femelle! Parce qu'il y avait le bout de la queue en cœur. Attends, j'aimerais juste qu'on fasse ça juste pour voir un mâle. Est-ce que c'est toujours une femelle? Voilà! La queue du mâle est plus rectangulaire, la queue de la femelle forme un cœur. Bonjour monsieur! Oh attends, item! Tu m'excuseras, item, hein! Un aimant. En même temps, vu que ça grouille de Pokémon électrique par ici, c'est logique. Genre, il n'y aurait pas un emblème qui traînerait quelque part, mais j'ai des doutes ici. Mais du coup, on peut surfer pour aller de l'autre côté ou pas? Bon, on verra ça après l'épreuve au pire. Bonjour monsieur. Bienvenue à la planète de Pikachu, je peux t'aider? Combien y a-t-il de Pikachu? J'ai vu 3 Pikachu sortir de la caravane, je me demande combien il y en a à l'intérieur. D'accord. Quel est cet endroit? On trouve toutes sortes de Pikachu sur la plaine des Pikachu. Il y en a même un qui a fait carrière dans le showbiz. Mais il est pas là en ce moment et paraît qu'il est en vacances au club Anohano. D'accord. Bon. Alors, je vous disais qu'on allait peut-être ajouter quelque chose à l'équipe prochainement. Eh ben, on est arrivé à ce moment-là parce que, je sais plus sur quel épisode, il y a l'un d'entre vous qui m'a donné un lien avec les premières distributions. Il y a eu le Rocabo qu'on a récupéré. Il y a eu ces Lady et il y en a une troisième avec un Pikachu qu'on peut récupérer ici, d'après ce que je lis. Et pour ça,
Alors, je vais vous lire le truc, ce sera plus simple, je vous mettrai même un lien si vous voulez. Alors, un nouveau Pikachu a été intégré à Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Celui portant la casquette de Sacha présente dans le 20e film de Pokémon, Je te choisis. Il était distribué en levier d'un QR code offert aux personnes et achetant un ticket pour voir le film dans les cinémas participants. Une fois ce QR code scanné via le scanner QR, vous pouvez récupérer le Pikachu casquette partenaire en parlant au livreur à côté de la caravane à la plaine des Pikachu à Akala. Et ce QR code est apparemment valable pour tous les jeux et l'enzonage pas en Europe et en Océanie. Donc, pour ça, il va falloir lancer le scanner QR dans le menu pause. Voilà, et là, allez, vous voyez la mise en abîme, on se filme. Et on va scanner le code qui est ici. Alors, je pense que c'est ça. Voilà, le QR code est en cours d'analyse. Et il ressort un petit Pikachu à casquette. Voilà, c'est un Pokémon vivant à Alola. Donc voilà, récupérez-le auprès du livreur de la plaine des Pikachu à Akala. Et ça nous rapporte 20 points pour le scanner des îles, je suppose. Du coup, je suppose que le livreur va pas popper comme ça. Donc, je pense qu'il faut qu'on fasse un aller-retour. Normalement, il y a un livreur qui a dû apparaître. Ouais, il est là. Bonjour, monsieur. Et on a un petit Pikachu casquette. Alors, lui, je pense qu'il sera juste là le temps de faire l'épreuve. De faire l'épreuve machin. De type O. Parce que bon. Ah, quoique. Je suis en train de me dire. Le type électrique. Electric Psy, ce serait pas mal. Ce serait pas mal de l'ajouter à l'équipe. Ouais, mais vous savez quoi, on va l'embarquer avec nous dans l'équipe. On va l'ajouter au layout. Même si c'est temporaire. J'ai envie de tester. Pikachu, Sash, Raichu, d'Alola. Alors, Pokémon souris, casquette... Attends, wait. Je suis en train de me dire. Est-ce que ce machin évolue? La question est là parce que c'est un Pikachu spécial. C'est pas un Pikachu de base. Il a la casquette de Sacha. Et si c'est comme le Pikachu Sacha dans Pokémon Jaune, il y a des chances qu'il évolue pas. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Je vous propose ça. Je le prends dans l'équipe jusqu'à ce que je puisse avoir une pierre foudre. Je testerai la pierre foudre sur lui. Si ça marche, je le garde. Si ça marche pas, je le mets au PC. Comme ça, on a un quatrième membre. Et on ne voyait pas toujours les trois mêmes, c'est ça que je veux dire. Voilà. Donc, un Pikachu portant la casquette de son dresseur qu'il considère comme son partenaire. Elle est trop grande pour lui et glisse un peu. Et donc, Pikachu rejoint notre équipe. Est-ce qu'on va lui donner un surnom? On va voir un petit peu avec quoi il est fourni. Donc, il est niveau 21. Il tient une jolie aile. Ça, je vais récupérer. Alors, voyons un petit peu. Il est nature neutre, hardy, d'accord. Il est fourni avec tonnerre, vive attaque, fatal foudre et queue de fer, donc le set habituel du Pikachu de Sacha. En plus, c'est son nom et de dresseur d'origine, 170715. Peut-être la date de sortie du film. Non, bah non, il est sorti cette année. Bon, enfin bon. Au pire, attends. On va regarder, je vais regarder sur le net à quelle date il est sorti. Pokémon, je te choisis. Il est sorti le 15 juillet 2017, ouais, effectivement. C'est dans l'autre sens. 17-07-15, 17 l'année, 07 le mois, 15 le jour. Ok. Je sais pas si je vais lui donner un surnom, au pire, comment je pourrais l'appeler. Je sais même pas comment je pourrais l'appeler, c'est ça le problème. Allez, attends, il y avait un Pikachu qui voulait te parler qu'avec un Pikachu à casquette. Ah, t'as l'air content, toi. Et on a la Pikachaise Elite. Trop bien! Trop bien! Attends, je vais lui donner. Et quand on l'utilisera en combat, on va balancer le mégatonnerre. Attends, pas évidemment. Je vais pas me gêner. Alors, Pikachaise Elite. Boum! Comme ça, on a ce qu'il faut. Ah, il y a Motisma qui tire la tronche, après ce que j'avais vu. Non, mais c'est pas ce que je voulais. C'est pas ce que je voulais. Voilà, on sort du menu pause. Ouais, y a Motisma qui tire la tronche. Qu'est-ce que... Je pense de ton apparence. Tu es très classe. Motisma terreau rouge léger, t'es fait sur mesure. Pas de Motisma gogo, pas de Motisma gogo. Très bien. Bon,
Bah, il serait peut-être temps qu'on arrive à... Comment elle s'intitule, la ville? Coin-Coin-Land? Je sais pas comment ça s'appelle. À Ohana. Voilà, on va arriver à Ohana. Snab. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, yo! Eh, babouliné! On se fait un petit combat pour voir si j'ai progressé. Allez! Moi aussi, j'ai passé la grande épreuve et j'ai une super bracelet des aides maintenant. Hé, Ohana, c'est le duel, c'est idéal pour faire un duel. On se croirait dans un western, la classe. T'inquiète, je vais sauver tes Pokémon avant, on va faire ça dans les règles. Yeah! Oui? J'ai un super pêche grâce au pancake de ma maman. Allez, ma touffe, Pikachu, les copains, on va bien s'amuser. C'est parti. Ouais, il montre bien son bracelet maintenant. T'en as 4. Matoufeu. Et moi j'y vais avec Gérard. Niveau 16. Et Flamiaou évolue pas au niveau 17. Oh, tout de suite. Le mec, tout de suite, il te balance la capacité Z. Bim! Ouais, tiens ça. Ouais, ça va, tranquille. Poison? Yeah! Voilà, maintenant, have fun pour me faire des dégâts avec ça, ma grosse. Hein. Allez, on remet ça. Gros feu. C'est un gros feu qui fait plus de dégâts que la capacité Z. Comment j'aurais honte à ta place, Tilly. Tu fais plus de dégâts avec une capacité pas Z stabé qu'avec une capacité Z. T'es vraiment abonné, hein. T'es vraiment abonné, Tilly. Hein. C'est un champignon, c'est un bolet. C'est un critique, ça, non? Même pas un critique. Waouh. Pikachu. Allez, Sif, c'est pour toi. Je vais avec les trucs de paille qui passent derrière. Ça fait vraiment western. Allez, j'ai Pierre, comme ça on le touche pas avec ça. Boulet lec. Oh, ça va. C'est pire que ce... c'est moins que ce à quoi je m'attendais. Allez, on remet ça. Une attaque. Comment ça chatouille. Boum. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Sonistrel. Je commençais par m'occuper de ceux qui sont pas encore niveau 20. Après, on envisagera de commencer à utiliser Pikachu. Et du coup, la pierre foudre, on en trouve où déjà? Je crois que la boutique d'Alixia en vend, non? Evoli. Il me semble que la boutique d'Alixia en vend, donc on a encore un petit moment à voir. Bon, on verra ce que ça donne. Regarde touchant. Vilain. Trop éclair. Espèce de pain bon, va. Bon, je crois que je vais switcher. Allez, Pikachu, bien sur le terrain qu'on rigole. Alors, je vais peut-être pas utiliser la capacité Z parce que ce sera de l'overkill. Mais un bon petit coup de tonnerre, ça devrait faire des chocs à pic. Statique dans ton fesse! En fait, la raison pour laquelle j'ai pas envie de l'utiliser, c'est que j'ai peur. En fait, j'ai peur que la vidéo soit bloquée à cause de l'animation de la capacité Z. Au pire, vous savez ce que je vais faire? Je vais tenter un truc à la con. Je vais la faire, mais au montage, je vais bidouiller un peu la vitesse pour espérer contourner le truc. Donc, vous étonnez pas si vous trouvez que ça change un petit peu dans les quelques secondes à venir. C'est simplement que j'essaie de contourner
les problèmes de copyright qui pourraient être liés à ça. Et puis si ça se trouve, ça va passer comme une lettre à la poste. Hein. Allez, hop. Fistbump, check 5. Allez. Gigatonnerre. Oh, oh, oh. Allez. Donnez-moi votre énergie! Ah, parce que là, c'est digne de Dragon Ball ce qui vient de se passer. Hein. Ah, si avec ça il est pas KO, il y a un problème. Hein. Bah, c'était pas mal tout ça. C'était pas mal! Ah, encore un beau combat bien rigolo! Qu'est-ce qu'on s'amuse, mes Pokémon et moi! Au fait, Babouliné, j'ai un super objet en rab pour toi. Un muscle plus. T'as dû remarquer que les Pokémon dominants ont une aura qui les protège, pas vrai? Eh bien, avec un muscle plus, tu feras plus de coups critiques qui passent à travers. Ah, sinon, notre truc génial pour combattre les Pokémon dominants, c'est les motismes aura. Encore un Pokémon, personne ne gagne à tous les coups, donc autant s'amuser un maximum. Bon, c'est pas tout ça, le round Chouana matin. A plus! Bon, vérifier qu'on a rien loupé, genre un, je sais pas, un emblème par exemple. Enfin, pour moi, un endroit d'emblème, salut. Très bien. Oana, un village fondé avec les Pokémon pour les Pokémon. Ok. Bonjour. Bonjour madame, je veux soigner mes Pokémon s'il vous plaît. Ouais. Merci beaucoup. Ok. T'as quelque chose d'intéressant à vendre? Bon, zut, fait péter. Oh, ça c'est intéressant. Je vais préparer des chronoballs en prévision de la suite. Genre 10 chronoballs et 10 filet balls. Il faut que j'ai envie d'ajouter un type insecte ou un autre type eau à l'équipe, on verra bien. Il y a de grandes chances quand même que ce soit plus un type insecte qu'un type eau. Hein. Oh, bonjour monsieur. Et limonade pour 5000. Ouais. On va vendre la peau du chelours avant de l'avoir attrapé. Oh, ce détournement d'expression, j'adore. Elle a collé une clapotis. Ah, bah c'est notre prochaine étape, ça. Bonjour. Ah oui, c'est vrai que c'est la maison de Kiawe ici. Et puis c'est ça qui est bien, c'est que quand il sort et qu'il pleut, faut mettre son Kiawe. C'est tout pour moi, je m'appelle Babouliné. Un emblème dans la maison de Kiawe. Là. Donc, Oana, maison de Kiawe. C'est le numéro 24 que nous trouvons. Il y a toujours autant de Magmar chez lui. Eh, hein. Hey, il y a un mec à la ville d'à côté qui veut voir un Magmar, tu veux pas venir? Bon, ça m'éviterait d'avoir en capture un, quoi. Bon, c'est pas que ça me dérangerait. Magmar est un Pokémon que je trouve plutôt cool. Mais quand même. Le repos de la grillade. Ouais, enfin, faire griller un steak avec déflagration, je suis pas sûr que ce soit recommandable. Slash recommandé. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Salut. Il me semble qu'il y en avait un qui donnait quelque chose, c'est celui-là? Alors, ça doit être celui qui reste à côté. Une Rapid Ball. Ok. Donc, il avait bouffé une Rapid Ball. Pourquoi tu la prends? Elle doit avoir une sale gueule, la Rapid Ball. Alors, dans la chambre de Kiawe, il n'y a rien. Et dans la pièce là, il y a un emblème. Comment on pourrait appeler cette salle? Loupure, je sais comment je vais faire. Oana, premier étage de la maison de Kiawe, c'est le numéro 25. Voilà, comme ça, on les récupère. Je rappelle, on les récupère pas. On ne les récupère pas avant la fin du let's play, histoire de compiler tout ça dans une seule et unique vidéo. Oh, et j'en vois un sur la charrette à foin. Donc, Oana
sur la charrette à foin à l'ouest de la ville. Et c'est le numéro 26. Il y a Motisma qui tire encore la tronche, dis donc. Une bouteille, oh, du lait meumeux. Merci bien. Ok, donc on peut en avoir une par jour. Bonjour. 25 corps. Très bien. Bon, qu'est-ce qui t'arrive, Motisma? Tu tires la tronche? D'accord. Oh, on peut jouer au Motisma Gogo. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois? Oh, c'est quoi ça? On gagne Moti-exp. Donc un boost de points d'XP, je suppose. Ok. Oh, qu'est-ce que vous faites là, vous? Wesh, à bout de la capsule d'argent? Oh, pauvre Goupix, il vous a rien fait. Laissez-le tranquille. Oh, qu'est-ce que tu mates, toi? Est-ce que tu veux qu'il en fasse la capsule d'argent, de toute façon? Bon, moi, je saurais m'en servir, bitch. Et toi, ne reste pas planté là, fais quelque chose. C'est bon, on m'insulte pas. Bon, vas-y, si tu m'insultes comme ça, moi, je me barre, hein. Yo. Quoi, tu cherches les embrouilles? Je vais te montrer ce que je fasse quand c'est interposé, là. Bah, ils avaient vraiment l'air cons, hein. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez, messieurs et dames de la team Skull? Un ratata. Waouh, je suis censé être intimidé par ça. Bon, Gérard, tu sais quoi faire? Ça commence par crochet et ça finit par venin. Alors, pète-y la gueule. Oh, et tiens. Mais le poison finit pas tout à fait le travail. Allez, morsure. Ouais, bon, ça chatouille. C'est pas avec ça que tu vas monter, que Gérard va monter niveau 20. Hein. Ouais. Bon, tout ça, c'est de la faute de ce Goupix qui refuse de coopérer, quoi. Mais pauvre petit... Ouais, je la ramène pas, tu veux. T'as de la chance aujourd'hui, mais on se retrouvera. A plus. Quel soulagement. Allez, petit Goupix, tout va bien maintenant. Qu'est-ce qu'il fait? Il se... part. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Bah attends, on va aller le rattraper. Merci pour ton aide, en tout cas. Et désolé d'avoir de t'avoir brusqué tout à l'heure. N'hésite pas à repasser me saluer demain. Pourquoi? D'accord, donc faut revenir demain, elle aura quelque chose pour nous. Ok. Et le petit Goupix, il s'est barré. Et eh ben le petit Goupix il s'est barré. Hein. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais retourner le soigner et je pense que j'ai passé les dernières minutes de l'épisode à regarder l'album et les activer à la place festival, comme ça je suis tranquille. Comme ça c'est fait. On a un petit moment de flottement, enfin on peut parler de flottement, mais on a un petit moment tranquille en fin d'épisode où on peut faire ça. Donc ce que je vous propose, si jamais ces fonctions ne vous intéressent pas, vous pouvez vous arrêter ici. Et si vous voulez voir ce que ça donne, et on va commencer tout de suite avec mon album. Alors, au studio photo d'Alola, vous pouvez partager les photos que vous avez sauvegardées. Vous pouvez aussi personnaliser vos photos avec des autocollants, puis les partager avec les joueurs que vous rencontrez sur la place festival. Pour personnaliser une photo, sélectionnez ajouter un autocollant pour montrer une photo à tous les joueurs touchés partagés. Donc si je fais ça, je peux ajouter un autocollant par exemple. Alors j'ai quoi? Ici, vous pouvez personnaliser vos photos en les décorant. Pour afficher les autocollants, touchez les catégories sur l'écran inférieur. Touchez les autocollants affichés et faites-le glisser sur la photo pour le coller. Pour changer la position d'un autocollant, faites-le glisser sur la photo. Pour changer un autocollant, touchez-le et faites-le glisser sur l'icône en forme de poubelle qui apparaît à l'écran. Sur le stop, c'est utilisé. D'accord. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Putain, on en a un petit paquet, dis donc.
Wow! Eh bah dis donc. Waouh! Attends, on pourra mettre un... On pourrait se faire photobomb par... Attends, je vais mettre là, on va se faire photobomb par, par le motif de sa texte. Enfin, quoi que non, si on se fait photobomb... Plutôt qu'il soit derrière nous, genre comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des trucs, dis donc. Qu'est-ce qu'on a dans l'autre catégorie, là? Évolution réussie, niveau super, jeu d'adversaire, épreuve réussie, grande épreuve réussie. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Parce que là, ils ont l'air contents, on va mettre... Évolution réussie, voilà. On est d'accord, c'est moche, hein. On est d'accord. Je vais mettre ça. Voilà. C'est... En plus, c'est évolution... Non, évolution réussie, je vais dégager ça. C'est vraiment même pas une évolution, quoi. Ah, bien, attends. Évolution réussie, voilà. Ça dégage. Par contre, qu'est-ce que je peux mettre? Niveau supérieur, allez, hop. Voilà. Et on va mettre ça... comme ça. Niveau supérieur. Avec les flèches, on a l'impression que c'est mon personnage qui prend un level. Au pire, attends. Voilà, niveau supérieur, comme ça. Et mon autocollant Pikachu, il est où? Non, parce que j'avais gagné un autocollant Pikachu, non? J'ai un autocollant dans Slab. Il est là? Autocollant Pikachu. Non, je crois pas. Par contre... Non, je vais peut-être pas le faire. Allez, on va sauvegarder ça. Ouais, on va sauvegarder. Voilà, comme ça au moins, je me suis abusé avec un des trucs. On va quitter ça et on va aller voir la place festival. Alors ça m'étonne que j'ai toujours pas le Poké Loisir, je sais même plus comment on le débloque. Allez, place festival. Est-ce que c'est toujours la même merde par rapport à Soleil et Lune? C'était vraiment pourri sur Soleil et Lune, c'est ça le problème. Ah, Chris, quelle voix je vais te donner? Parce que je crois qu'on va te retrouver, toi. Alors, Chris. Ah, je sais. Je sais quelle voix je vais te donner. Ça lui colle pas vraiment, mais bon, je fais ce que je peux. Bienvenue sur la place festival, moi c'est Chris. Mais encore? Ici, c'est mon QG secret aujourd'hui sans que personne ne le sache. Sauf qu'en ce moment, tous les dresseurs sont invités. Bref, j'ai besoin de quelqu'un qui prenne soin des visiteurs. Ouais, toi, t'as l'air de beaucoup jouer en ligne. C'est pas faux. Allez, s'il te plaît, aide-moi à rendre les visiteurs heureux. Ok. Ouah, merci. Allons, commençons. Tu vois, y'a déjà quelqu'un. Commence par lui parler. Bonjour. Oui. D'accord. Ouais. Salut. Yeah, des festi pièces les bitches. Attends, je peux lui reparler? D'accord. Super. Je fais l'accompagnement aux visiteurs et te remercieront en te donnant des festi pièces. Ouais, tous les stands de la place les acceptent. Ah, il faut que je te parle des stands du coup. La loterie où tu as une chance de gagner le gros lot? La chambre gonflette, un endroit où tes Pokémon peuvent s'entraîner tout en s'amusant. La bicoque bonne aventure pour savoir où ta chance te porte aujourd'hui. La teinturerie pour changer la couleur de tes vêtements. Et crois pas que t'as fait le tour de ce que t'es droit à t'offrir. Waouh, y'a des gens qui arrivent. Regarde là-bas. Va voir si ces personnes n'ont pas de quête pour toi et des festi pièces à te donner. Et en plus, je peux même pas me barrer tant que j'ai pas fait ça, quoi. Bonjour. Comment trouver des gens qui ont envie de... Il suffit d'écouter. Yeah, des festi pièces, bitch. Salut. Communication sans fil. Ok. La place festival est au rang 2, ouais. Ok, c'est bien.
Je fais ça pour aller le plus vite possible parce que ça me gonfle, hein. C'est juste pour débloquer les fonctions et tout ça. Hein. Super. Si t'as beaucoup de festipièces, ça veut dire que l'agent s'amuse bien, et du coup, au bout d'un moment, ta place monte de rang. Alors qui dit monter de rang dit récompense et jingle de victoire, mais surtout récompense. Andromède t'installe dans cet endroit vide par exemple. Une vieille coque bonne aventure, l'attente Pokémon 1, gérée par un vaurien. Ouais, on a un nouveau stand. Chaque fois que ta place montera de rang, je te donnerai une jolie récompense. Alors arrête plein de visiteurs et accumule un max de FP. Et aussi quand t'es sur ta place festival, t'es connecté à d'autres joueurs en local ou en ligne. J'ai tout branché, t'as plus qu'à t'éclater. Bonus, le staff du château qui est là pour t'aider. On va aller voir si t'es pour mais. Ok. Voilà. J'ai ce que je voulais. Maintenant, on peut faire du combat et des échanges. Oh punaise, je suis encore obligé de faire ça. Ah, caca. Vous me direz au moins c'est fait. Cher Babouliné, bienvenue à la place festival. Je vous attendais. Oh, tu m'attendais, chère madame? Notre rôle à tous ici est de vous aider dans l'administration de la place festival. Laissez-moi vous expliquer comment nous travaillons. Pour ma part, je représente le bureau des questions de base. Si vous avez une question sur la place festival, c'est moi qu'il faut venir voir. Ce PC permet quant à lui de se connecter à Internet et d'accéder à différentes fonctions. Pour le moment, vous pouvez vous en servir pour les vidéos de combat et la synchro au jeu. Voici le bureau des mini-quêtes en ligne. Les mini-quêtes en ligne permettent aux joueurs du monde entier de coopérer pour atteindre un objectif mondial. On y joue par Internet. Voici le bureau d'appel de dresseur, bien utile quand vous voulez parler avec un visiteur. Ici c'est le bureau décoratif, c'est ici que vous pouvez déplacer les stands par exemple. Tout le monde est à votre disposition pour que vous passiez un excellent moment ici. Ok, et toi t'es qui? D'accord, c'est fermé. Alors je voudrais faire un dernier truc avant de partir en espérant qu'on me laisse le faire. Il y avait une loterie, je vais tenter ma chance pour voir si je peux pas gagner un truc. La loterie, c'est ici. Allez, on y va. Numéro 8, c'est une hyperbole. Cool, merci. Je peux retenter ma chance autant que je veux ou faut que j'en revienne demain? Oh, je peux tenter autant que je veux. Allez, donc ça me ferme jusqu'à demain, d'accord. Allez, on sort de là. Mais voilà, comme ça, au moins on a les fonctions pour l'échange, le combat et tout ça. C'est ce que je voulais. Et ce qu'on va faire aussi, c'est que je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, les gens. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Pokémon Ultra Lune. J'espère que ça vous a plu. Quel que soit votre avis, vous pouvez le faire savoir en cliquant sur l'un des petits pouces en bas de la vidéo, ça fera toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire, partager la vidéo, vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà faux, parler à la chaîne, tout ça, de toute façon, vous le savez. La plus grande notification, ça fait plaisir. N'oubliez pas de répondre à la question du jour qui est en dessous de l'écran du bas. Et attendant la suite des événements où on va partir vers le ranch et peut-être arriver sur une nouvelle route, on verra ce que ça donne. Et ben en attendant tout ça, je vous remercie une fois de votre soutien, ne changez pas, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.